Sainteté, bonjour, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ça va, pas génial. Il fait très bien, il me sent à l'aise là. Il est en train de danser. Vous me voyez. La soeur Hélène, non, on ne te voit pas. Yes. Hello. Hello, are you pursuing me? Are you enjoying that dance? J'arrive, je m'en connais tout. Oh no, you don't forget. Are you listening? Yes, I see you. Yeah. I want to know how are you? How are you? To school and then I come back. How are you? I'm blessed. La soeur Elena, bonjour. Bonjour. On te voit maintenant, c'est un succès. La femme vient. Où est la soeur Vanessa? Bonjour, tonton. Bonjour, bonjour, mon bébé. Bonjour, dansons ensemble, d'accord? Bonjour, tonton. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour toute la famille, était unie dans la sainteté. Écris-nous à ton saint nom. Vous dansez avec moi. Sister Beatrice, I'm not seeing you, I'm dancing, and you. La sœur Sandra, bonne arrivée du côté de Maryland aussi. Ah, la musique est chaude ici, hein. On n'entend même pas. Vous n'entendez pas? On n'entend pas. Vous entendez? Vous n'attendez pas? Yes, c'est là. On t'attend. Mais vous entendez la musique là? C'est dommage. La soeur Béatrice, tu entends? Voilà, il baisse la musique. Alors bonsoir à la soeur, bonjour à la soeur Sandra de Maryland, bonjour et bonne arrivée. Ah, ça non, descendez. Alors la soeur Hélène, quand les enfants sont... Elle n'a pas mis les écouteurs. Moi, j'ai mis les écouteurs, vous allez me déranger. La soeur Elena, il faut couper ton micro quand les enfants sont allés déranger. La soeur Elena, coupe ton micro quand les enfants dérangent. Coupe ton micro parce que le bruit se calme chez toi. Coupe ton micro d'abord. La soeur Sandra, bonsoir.
Bonsoir, frère. Que la grâce est là. C'est mon caméra comme ça. Yes, try to put your camera. La soeur Béatrice, try to put your camera also that you should see each other. Voilà, la soeur Sandra, adapte sa caméra. Oh, Elise, viens. Ok. Comment, descend. You want me to cut off and put the video, right? Yeah. Don't click on your video. You will come in. Okay. La soeur Sandra, la soeur, elle est en train de me suivre avec les enfants. On ne peut pas travailler à côté de toi. Voilà, la soeur Béatrice, tu es chaude là. C'est voilà maintenant. Non, je viens de me réveiller. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour chez vous aux États-Unis. Que la grâce de la paix te soit multipliée. Elijah, what are you doing on the table? Where's Elijah? Good morning to you, Elijah. Say hi, Papa. Hello. Say hi. You say hi. How are you? Hi. Thank you. How are you? How are you doing? Hi. Ok, that's very good. Où ici là? Tu es où ici comment? On te voit, tu es connecté Saint sur Saint Vanessa. Ah, okay. Shalom. Je ne me vois pas. Du côté des forêts, tu ne me vois pas? Je vois tout le monde. Voilà. Du côté des Forestville, bonjour de ce côté là. Bonjour à toute la famille. La sœur Sandra, c'est de quel côté de Maryland également? Et quoi que c'est ta voisine là? Bonjour. C'est Georgetown, c'est ça? Ah, Georgetown, c'est pas loin. C'est pas loin de Rockville. Oui, c'est à côté de Vanessa. Dixon. Non, Georgetown. Sandra, good morning. Ah, Dixon, c'est pas loin. Good morning. Yeah, Georgetown, you are just a while besides Forest Town. Vanessa, sister Vanessa is found in Forest Town. In Germantown. Donc voilà les Marylandaises, oui, sont vraiment très proches, oui. On est vraiment close. Oui, c'est pour ça que le Seigneur a mis votre caméra côte à côte. Ah, c'est vrai. Du côté de Texas, au Texas, bonjour ma soeur Béatrice. Bonjour, shalom. Et shalom. Bienvenue encore à ce rendez-vous aujourd'hui. Pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Comment vous avez dormi? Comment était votre nuit? Très bien. Paisible. Mais beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Qui t'attaque même? Satan ne veut même pas essayer dehors. Vous savez que Satan n'attaque pas des gens inutiles. Quand il vous attaque, vous êtes vraiment important. Non, parce que ce nom-là, si je n'avais pas vraiment prononcé ce nom dans cette nuit-là, on devait te faire. On m'achète comme ça, là, c'était grave. Hein? Courage, beaucoup de courage. Sister Sandra, last edition you weren't there. We had a wonderful time last Friday. Is it? What's last Friday? Oh yeah. Last Friday. I didn't even know that. You guys are united. By the phone that the meeting. I didn't even know. Okay. It's after my husband was telling me that if I see that you guys I see that you wrote to the people that people that you put together in the United States, and I think, I miss it, I miss it. Yeah. So today I was here, arranging stuff, and then I saw the call. I was like, I need to get in the call. Now you said that I'm going to miss the occasion today. What did you miss? By 2 hours. Don't close the door. By 2 hours time, I will be going out for the radio station. You're having programs. Well, I didn't hear you. By 2 hours time, I'll be going out. I'll be going out to attend a radio station. Okay. Oh yeah, the radio station. Yeah. So we are going to work now. Okay.
Alors les femmes, comment vous allez être une dans la sainteté? Vous, les États-Unis, ça ne vous fait pas peur là, les choses qui arrivent là? Et vendredi, nous, on a causé de ça là. Oui, nous parlions et dimanche, le lendemain, où nous avons parlé le vendredi et dimanche, il y a eu encore des tueries, n'est-ce pas? Oh, oui, yeah. Oh, yeah. À l'église là. C'était un chagrin express. Vraiment. L'autre encore, d'autres séries arrivent encore. La sœur Elena, coupe ton micro dans ce cas, coupe ton micro, c'est désagréable avec le bruit là, des enfants là. Donc ça arrive encore, il y a encore d'autres séries qui arrivent, d'autres séries. Ça va encore arriver. On n'en doute pas. Ça va arriver jusqu'à ce qu'il y ait un amendement qui va changer le statut des armes dans votre pays. C'est, voilà là où ça va conduire. Ils ont déjà changé, non? Ils ont changé, hein? Le port d'armes. Hey, depuis. Et comment les gens portent toujours les armes? En tout cas, il y a des grandes compagnies qui font de cela leur commerce. Ils ne veulent pas que ça change, que le statut change. Donc, ça doit changer drastiquement. Vous voyez que dans un pays, il y a plus de mortalité. La statistique montre qu'il y a plus de 30 000 morts par an chaque année. Le Cameroun, lui, n'est pas loin. C'est plus de 4 000 morts par an sur le Lars Loup. Donc, chaque pays a sa spécialité. Donc, plus il y a les armes dehors, plus il y a plutôt les tueries. Alors que le principe, c'est qu'on se protège plutôt avec les armes. Et là, les armes servent plutôt à tuer. Vous voyez qu'il faut seulement qu'on se protège avec le Seigneur, n'est-ce pas? Si la soeur Sandra, est-ce que tu n'as pas des écouteurs? Parce que j'ai l'impression que tu as du mal à nous écouter. Le volume n'est pas bon là. Oui, je vais aller chercher mon écouteur. Eh bien voilà, parce que voilà, tu nous écoutes qu'avec les yeux. Tu dis qu'est-ce que ces gens-là bavardent là-bas? Donc, tu ferais bien de chercher vite tes écouteurs et on commence. La soeur Béatrice, tu viens de prendre le volant. Sans consacrer. Je serai un peu distraite pour une petite seconde là. Je dépose les enfants vite à l'école là. Oui. Donc ne bavarde pas, reste concentré au volant. Écoute seulement, d'accord? Il ne faut pas que on te donne $200 à banque. Ok. Voilà, donc écoute seulement ce qui va se passer. Si t'as Sandra, have you put your earphone? Yeah, I'm trying to do anything. As soon as you put your headset, we are going to speak now. You start speaking. Alors, le Seigneur a fait des grandes choses pour nous. La sœur Sandra a certainement des révélations également sur notre pays. Si le Seigneur lui permet de parler, d'en parler, elle va en parler maintenant. Mais je crois qu'il faut que la sœur Béatrice soit posée avant d'écouter ceci. En tout cas, Dieu est en train d'avertir ses enfants. Les enfants qui sont aux États-Unis, il ne les avertit pas des songes pour donner des instructions par rapport aux conduites à tenir. La sœur Vanessa, tu en as fait frisser les yeux, que tu fais frisser comment? Dieu est en train de donner les avertissements à ses enfants de plusieurs façons jusqu'à ce que sa colère soit consommée pour les États-Unis. Donc, la sœur Sandra, tu as quelque chose de nouveau, une révélation pour les États-Unis. Si tu es Anna, tu peux partager maintenant. If you are getting us. Are you getting me? Okay. Yeah, I'm hearing you. By the way, let me try to put you on the right way. Last Friday, we were talking about those revelations. At the end of our conversation, we were talking about those revelations that the Lord is giving to the people of the U.S. to repent and to amend the way in the straight right way of the Lord. Where we were talking about those dreams that God is being given to all His people there to prepare them for the rapture. So I think you have been having these dreams too. If you have one or two or three of them, try to share with us, if possible. Would you like to share with us? Ok. Vous voulez que je parle en français ou en anglais? Parle, quand ça ne va pas, tu mélanges avec une langue, tu mélanges. Si les mots te dépassent, tu mélanges en français. Ok, all right. Le Seigneur me donne beaucoup de songes. Là, c'est Béatrice qui rit comme ça, ne t'inquiète pas, elle ne les conduit, ne lui parlez pas. Oh, ok. Le Seigneur me donne beaucoup de songes sur ce qui se passe dans les nations. Et il m'avait donné beaucoup de songes concernant l'Amérique. Et il me parle souvent de la repentance. Et il dit, si vous vous repentez, et vous vous tournez de vos péchés, et il va nettoyer, il va vraiment
forgiveness. Mm. Il va faire forgiveness. Yeah. Au fait. He will forgive. Donc, lui, c'est to forgive. Yeah. Et puis, il m'a parlé encore qu'il va, et que sa colère va atteindre cette nation. Yeah. Il m'a parlé comment il va, il m'a parlé au fait des ouragans. Mm. Des choses. J'étais dans un songe qu'il m'a donné. Au fait, il me parle pour plusieurs fois sur l'ouragan et la tempête et les tonnerres. Et l'autre fois, moi, je ne comprenais pas. Au fait, ici, je dis que je ne comprenais pas ça sur Estili. Je comprenais, mais je ne prends pas au fait. Je ne sais pas au fait comment je vais faire. Parfois, je lui demande pardon et tout et tout. Et l'autre fois, j'étais sur mon lit, c'était dans mon songe, j'ai vu comme Elise, stop it, please. Go drink water. J'ai vu, j'étais sur mon lit, c'était dans mon songe. Ma vitre de ma chambre est cassée. Et il y a un vent fort qui était rentré dans ma chambre. Le vide est cassé et puis un tourbillon comme ça était rentré avec comme des poussières, des sables et tout comme ça. Et puis j'ai dit, les enfants, courons pour aller nous cacher. Mm. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris, maintenant je sais de quoi tu parles. Mm. Donc, et l'autre fois, j'ai vu les Américains, beaucoup de l'eau, je ne sais où ça venait, puis qui rentrait, mais les trucs, on a creusé un trou, mais c'est comme les trous qu'on creuse pour enterrer les gens. Et beaucoup de l'eau qui coulait, les Américains sont là, ils sont en train de faire le trou afin que l'eau rentre dans le trou. Mais les trous sont comme des trous de cercueil, quoi. Oui. Là où on enterre les gens, au fait, et j'ai vu. Oui. Le Seigneur a ouvert parce qu'il me parle de l'ouragan, je ne comprends pas. Il a donné un songe à ma fille de 5 ans. Mm. Et ma fille, elle était réveillée, elle a dit, maman, j'ai eu un rêve. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a vu une citerne de l'eau et que l'eau sortait de la citerne, beaucoup de l'eau qui sortait de la citerne et puis ça a envahi toute la terre. Et elle et sa sœur ont couru pour cacher parce que l'eau est beaucoup. Et moi et la famille et nous tous, on était partis dans un autre pays. Mmh. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça c'est fort. Donc, l'autre fois, je priais, au fait, je priais pour la famille, je priais pour mon mari spécialement. Et je demandais au Seigneur de le toucher. Et d'un seul coup, je suis sur le lit. Et je ne dormais pas, et là, ça me dérangeait. Et j'ai vu comme au ciel, il y avait eu comme une pluie qui pleuvait. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Parce que je ne dormais pas, parce que souvent, il me parle dans les songes. Et d'un seul coup, je me suis vue quelque part. Je me suis vue et j'ai vu comme la pluie qui tombait, au fait. La pluie tombait vers mon niveau. Et après, le Seigneur me parlait. J'ai vu un grand ross, un cheval et un petit. Au fait, il parlait de... On doit quitter le petit bébé spirituel pour aller au mur spiritualité. Nous devons quitter d'être les bébés spirituels et d'être les grands en spirituel. C'est pas le temps d'être le bébé spirituel. Nous devons quitter la maternelle pour aller à haut niveau. Il nous attend là. Donc après ça, j'ai vu des raptures. J'ai vu les gens qui quittaient et j'ai vu un pasteur aussi qui était dedans, que je connais, qui quittait la terre. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Et au fait, dans le songe, on parlait de la repentance encore. Et d'un seul coup, le Seigneur disait qu'il a commencé son réveil. Au fait, j'ai entendu une chanson, il disait, il a commencé son réveil, vos péchés sont pardonnés, comme ça. Et puis je me suis réveillée, j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, là où j'ai vu les gens, on a écrit les numéros sur ces gens-là qui partaient au ciel avec de l'or. Et le niveau que je les voyais, tout était en or. Et j'ai vu l'écriture sur eux et on disait qu'ils seront aspirés comme un vacuum, un aspirateur vacuum les choses. Nous serons
En ce temps-là, nous serons aspirés comme ça, comme vacuum. Dans, nous serons pris comme ça pour aller en l'air. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il a dit qu'il a commencé son réveil. Nos péchés sont pardonnés. Au fait, je me suis réveillée, j'ai dit, mais j'ai commencé à penser sur le rapture. Parce que j'ai vu ces gens-là. J'ai vu le numéro sur eux. Donc j'ai dit, oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit, le Seigneur, j'ai cette grâce avec lui, il me parle tac au tac. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas compris. Il m'a dit, prends la Bible. J'ai pris la Bible. Soudainement, je suis tombée sur un passage, le titre. Là, vous voyez comment la Bible, parce que je n'ai pas le verset, mais je sais que si je parle, ça parle de l'enseignement sur la résurrection. La résurrection. L'enseignement sur la résurrection. Et j'ai vu comment le Seigneur même enseignait là-bas où les gens, et les, ce sont les pharisiens ou bien les juifs qui lui posaient des questions. Matthew, si les gens seront morts. Matthieu 22. Exactly. Que si tu as de faim, est-ce que là-bas tu auras de faim? Le Seigneur commence à détailler comment les morts ressusciteront. Oui, donc c'est ça. Au fait, ce que je voulais dire ce matin, c'est ce matin, oui, c'est, je crois bien. Ce matin, au fait, le Seigneur me parlait de mon pays, le Togo, parce que dans un songe, il a dit qu'il va, il m'a fait dans ce, moi, je ne sais pas, parce que je suis en bad. I don't follow news. Et c'est mon mari qui fait ça. Moi, je ne fais que prier. Tu ne suis pas les journaux de télévision. Tu es capté dans la télévision céleste. Et ton mari sur les télévisions terrestres. Vous voulez oser d'arriver. C'est ce que tu m'as dit. L'autre, mais toi, tu es plus que ton mari. Parce que moi, je le dis. Moi, je lui dis, tu es trop chaleur. Tous les journaux avec ton truc là, d'attente, je fais toujours le journal, tu vois, tu portes ton téléphone, le journal, et puis il me disait que toi tu es connecté au ciel. Donc moi, quand tu me dis, moi je te dis oui, c'est vraiment passé vraiment. Donc moi, je ne savais pas qu'il y a des problèmes au Gambie là-bas, c'était, ça fait un peu de... Hello, we have been interrupted. Allô? Allô? Quelques petits soucis avec la connexion, mais ça, je crois que dans quelques secondes, ça sera rétabli. Les choses rentrera dans l'ordre. Allô? Allô? Une petite musique en attendant. Bye.
welcome back. I really ask for you. Can you please forgive me? Our network is not good here in Cameroon. Merci beaucoup de me pardonner. It's okay. Je m'excuse. Nous, on a continué. Oh, vous avez continué à parler sans moi. Oui, la soeur. But we can see you. Ok, la soeur. No, I was... La soeur, c'est... Attends, la soeur Béatrice, elle est là rentrée à la maison. Hein? Yeah, I'm right here. Okay, yeah. Ok. C'est Sandra, avant que tu ne continues, il y a quelque chose que tu as dit dans ton... Deux ou trois choses que tu as dit dans ton témoignage là. Tu as parlé des two horses. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un en a parlé quelques jours. C'était Vanessa qui en avait parlé. Vanessa, c'est toi? C'est toi qui as parlé de deux chevaux, un grand cheval et... Non, attends. Non, ça, c'était pas moi. Okay. Vous m'embrouillez dans le monde entier. C'est plus finalement qui a parlé quoi. Bon. Can you specify the nature of those two houses? What they were doing? Can you please give an... Ok, moi quand je l'ai vu, ils sont dans, c'est comme un champ. Oui. Mais le champ là, il n'y a pas beaucoup de gens dans le champ. Oui. Et j'ai vu, au fait, j'ai compris que comment on a dit que le Seigneur n'a qu'à envoyer des ouvriers. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le champ. Oui. Et j'ai vu le petit horse là. Oui. Qui, lui, il est tout petit, il courait dans le champ. Et vraiment, on lui a dit de rentrer. Oui. Et il a rentré. Et de l'autre côté. Oui. J'ai vu un grand mature horse qui était rentré avec d'élégance. Oui. C'est là, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a parlé de chrétiens immature. Mm-hmm. People that stay here and come back. Ils vont rentrer dans le ciel sans accomplir rien. Oui. Alors qu'ils sont appelés pour grand chose. Oui. Et le grand, les grands chevaux, les chevaux sont blancs. En fait, nous sommes les enfants du Seigneur. Le Seigneur parle de ses enfants, des élus, au fait, qui doivent grandir. Donc, le grand rose qui était rentré, lui, il était mature. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on rentre à la maison sans être mature. Pour tous les programmes qu'il a fait sur nos vies, sans rien accompli, et de rentrer d'occuper des choses terrestres, oui. Sans occuper des choses spirituelles, et de rentrer comme ça, le Seigneur ne veut pas. Ah, je crois en fait, que le Seigneur veut qu'on grandit. Je crois que c'est vraiment meublé et bien arrangé pour que nous voyons le sujet d'aujourd'hui. Quel fruit portons-nous pour le Seigneur? Je crois que nous allons voir ce thème-là. Quel fruit portons-nous pour le Seigneur? Oui. Enfin, c'est juste pour donner c'est vous qui trouvez, c'est dans ton témoignage que j'ai trouvé le sujet dont on va parler et essayer d'épiloguer là-dessus. Il y a une deuxième chose que tu as parlé par rapport au tombeau qu'on creusait, il y avait de l'eau pour pouvoir enterrer les gens. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et effectivement, quand votre continent sera secoué par ce tremblement-là qui va arriver, parce qu'il y a un vaste, sinon, ce qui n'a jamais arrivé sur cette terre-ci, ça va frapper les États-Unis et donc là, l'eau va faire entrer dans votre continent. Au point où on va vouloir même enterrer les gens, il y aura toujours l'eau là-dedans. Donc je crois que c'est ce que le Seigneur t'a montré. C'est terrible ce qui va arriver. Parce que carrément l'eau des océans va entrer dans votre continent, ça va raser. C'est terrible ces jours-là, les jours qui sont sur les États-Unis. En tout cas, le moment viendra, je pourrais lire dans la Bible là et vous parler des prophéties sur les États-Unis. Ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vont faire et ce qui va leur arriver. Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs enseignements. Et ton pays aussi, comme tout à l'heure tu parlais de Togo, ton pays aussi n'est pas exclu. Tu as dit que c'était le Togo parce que là-bas, les vastes inondations vont pouvoir frapper au point où tu t'affiches même le Bénin. Parce que les divinités qui sont là-bas sont en train de challenger Dieu. Le moment arrivé où Dieu va les challenger, il va balayer vraiment avec les inondations. Yes. Oui, ça pour ça là, qu'est-ce qu'il va? Il m'a fait élever sur le toit. Tout le toit. Il m'a fait soulever sur le toit. Comme je t'ai dit que c'est l'ange Gabriel qui m'amène souvent. Le Seigneur, quand il lui-même, il vient. Oui. Il a des cheveux vraiment gris. Je n'ai jamais vu ses cheveux. Oui. Tellement avec des boucles que je n'ai jamais vu sur terre. Oui. Et il est ferme, notre Seigneur. Oui. Donc, ce n'est pas le petit Jésus que les catholiques... Non, non, notre Seigneur, il est roi. C'est un combattant. Amen. C'est un combattant. Donc, nous devons faire attention. On ne blaguons pas avec le Seigneur. C'est un combattant. Et il ne blague pas. Il ne blague pas. Et l'ange Gabriel qui vient toujours, c'est lui qui vient toujours. Oui. Et
enlevés sur le toit du Togo. Oui. J'ai vu leur petit toit avec leur tour là, bizarre. Sur le toit, ça veut dire qu'au-dessus des maisons. Des maisons, tu vois les maisons à partir, sur les maisons. À partir du haut. Sur les maisons, surtout là où on pratique les sorceries, les esprits des autres, vers Anéon. Oui. Et il m'a fait soulever sur leur toit. Et j'ai vu un caïman, un grand caïman qui était sorti des eaux. Et puis je voyais des... qui était sorti de la mer. Et j'ai vu des vagues comme ça. Et après, je me suis réveillée. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et mon mari, je connais mon mari, me dit, toi, tu ne sais pas que la côte là, il y a l'eau qui a frappé, l'eau a commencé à bouffer toutes les gens, parce que ce sont des gens qui font des sorcelleries. Et en fait, j'ai compris que quand tu vois un camion, comment on dit, un crocodile là, sortir de l'eau, caïman, c'est que c'est l'inondation, parce que le Seigneur voulait parler de l'inondation. Et ils font beaucoup de sorcelleries là-bas aussi. Je crois que le Seigneur voulait parler de ça aussi. Et qui va les frapper avec le sorcellerie qu'ils font là devant la mer, il va frapper là-bas. Et il n'y a pas longtemps encore, l'eau a quitté, a bouffé à Nero, presque l'eau a quitté. Donc c'est terrible quoi, c'est terrible. Au Togo, c'est terrible. Et je disais à mes soeurs avant que le Seigneur va enlever les dictateurs sur les sièges en Afrique totale. Ouais. Et il m'a dit qu'il restait un nombre. Parce que, au fait, si tu pars, quand le Seigneur te parle dans les songes, il ne faut pas que tu sois fatigué avant de partir au lit. Sinon, on va dire des choses que tu vas échapper. Et moi, je ne veux pas dire, il m'a dit un fils nombre qu'on a levé, et un fils nombre qui reste, qui va lever. C'est là, il m'a dit, en ce temps, j'ai vu qu'on chassait le président de Gambie, là, on le tirait. Oui. Et le Seigneur me dit qu'il va enlever les dictateurs sur les trônes en Afrique. Ils vont tous partir. Qu'il reste un homme qui a... Il chuchotait dans mon oreille, au fait. Il chuchotait la parole dans mon oreille. Et puis il me dit que le Togo sera bientôt, le Burkina sera bientôt. Et je me suis réveillée, j'ai commencé à parler à mon mari. Et mon mari m'a dit, oh, toi, tu es late dans le journal. Pour le Gambie, là, c'est déjà passé. C'est passé. Et pour le Togo, là, on va attendre. Et ça a frappé. Bon, maintenant, ils ont des problèmes. Mais le Seigneur m'a confirmé deux fois, même ce matin, que le président là-bas a quitté, il ne va pas rester. Oui, d'après ce que le Seigneur t'a dit, il a dit que le Togo sera le Burkina. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé au Burkina Faso va se passer aussi au Togo. Non. Il dit que le Burkina, ce qui s'est passé en Gambie aussi, il dit que le Burkina sera bientôt et le Togo bientôt. Oui. En ce temps-là, le Burkina n'a pas encore commencé. Oui. Donc, c'était... Donc, Blaise Compaoré était encore là. Oui, justement. Justement, parce que le songe-là, c'était, ça fait un peu de temps, hein. Oui. Qui m'a donné le songe là. C'est ça, en ce temps-là, c'est le truc de Gambie qui passait. Et maintenant, mon mari m'a dit, ah, le Burkina a commencé, hein, et on attend, et vraiment, le Togo a commencé. Oui. Donc quand tu suis le journal du ciel, comme le breaking news du ciel ne passe pas encore bien sur la terre, après, quand ton mari suit, tu veux encore parler, il dit que non, mais toi, tu es arrivé. il me dit, c'est déjà fait, je suis en avance pour lui, pour au Burkina Faso, j'étais en avance. Donc, quand il a commencé, il a dit que vraiment, c'est commencé. Et pour le Togo, il m'a dit, ah, tu ne suis pas les nous, c'est commencé, ça chauffe là-bas. Donc, le Seigneur était en avance. Donc, c'est l'autre qui sait que toi, pour toi, c'est bien, tu es branché là. Moi, je suis branché ici. Donc, on compare les informations du ciel et de la terre, quoi. Justement. En tout cas, j'avais dit dans les enseignements que Dieu est en train de renouveler, c'est worldwide, c'est hors de Africa. Donc il va balayer les vieillards, c'est ce que j'avais dit dans un enseignement. Oui, continue ma soeur. Donc c'est pour l'Afrique ça. Je disais pour ici. Le Seigneur m'a dit, on n'a qu'à quitter. Mais si les gens vont rester, s'ils trouvent les gens comme Noé, comme Daniel, et comme Job, il va épargner ces gens-là, mais il va toucher même les enfants. Voilà. Donc, c'est terrible. Le Seigneur dit qu'il m'a dit que
cette nation qui se croit tellement fort, il va susciter une armée, un cheval que lui-même, ses armées là sont comme des chevals. Tout puissant, il va mis une puissance dans eux. Ils vont venir, ils vont écraser cette nation. Il va les disperser dans les nations. Et il va les faire, ils vont demander quand les autres, il va les abaisser. Il va les réduire en néant. Pour qu'ils demandent des aides, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait des aides. Sorry? Pour qu'ils demandent les aides humanitaires. Pour qu'ils demandent des prêts, des aides. Pour demander les aides. Eux, ils vont demander les aides. Le Seigneur dit qu'il va les disperser aussi dans les nations. Il va les dire, ils vont aller être comme nous aussi, on se réfugie. Les gens se réfugient. Eux, ils vont aller réfugier dans les autres nations. Et donc, je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire, mais dans mon songe, à partir du Togo, il dit qu'il va restaurer les choses financières. Autre, je crois que l'Afrique va reprendre à un niveau. Il va baisser ici. Le Seigneur est en train de faire un œuvre terrible. Et je vais faire attention parce que l'autre fois, je l'ai vu. J'ai vu un seul œil comme ça. Et là, tu voyais, je ne dormais pas au fait. J'ai plus l'œil. Et je dis, qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? C'est un œil de tigre, qu'est-ce que ça? Voilà, j'ai vu toute la face comme un lit. Le lion. Et là, je me parlais de jugement. Donc, nous devons faire attention. Le Seigneur, il est vraiment, il est en colère et il parle à ses enfants. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants maintenant. Sanctifier la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. Dans toutes nos activités, la crainte du Seigneur, c'est ce qui peut nous l'intégrité, c'est ce qui peut nous tenir dans ce temps. La crainte. Parce que si nous avons la crainte du Seigneur, devant tout ce que l'ennemi va nous proposer, nous dirons non. Si nous avons la crainte du Seigneur, donc mes soeurs, la crainte du Seigneur, inculquons la crainte du Seigneur dans le cœur de mes enfants, de nos enfants. C'est très important. Et le Seigneur peut parler à nos enfants aussi. Prions avec nos enfants. Écrivons la parole dans le cœur de nos enfants. Parce que le Seigneur dit clairement qu'il ne va pas épargner les enfants. Donc, on peut voir. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu comme nous passons au miséricordieux et tout, et nous faisons des portes. Quoi. C'est un combattant. Comme j'avais dit, c'est un combattant, un chef des armées. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Un Dieu juste. Donc, nous devons faire très attention. Moi, je vais parler un peu de quelque chose qui se passait. Je ne vais pas aller dire, mais je vais seulement parler de ce que le Seigneur dit. Le Dieu que nous servons. Je priais à mon Dieu parce que j'étais tellement... La sorcellerie dans ma famille était forte. Mais je priais, la personne qui m'ensorcelait, c'était la personne très proche de moi. J'ai prié le Seigneur, j'ai vu la main du Seigneur. Mais avant, le Seigneur s'est montré à moi comme juste. Il a dit qu'il va regarder cette affaire comme juste. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Pardonne premièrement. Il faut que tu libères pardon. Et ne te justifie pas. Mais pardonne premièrement. Et j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit que tout le mal qu'ils m'ont fait, moi je pardonne. Et là, le Seigneur a rentré à l'œuvre. Et il combat pour moi. Amen. Comme je dis, il est chef des armées. Il est vraiment un chef des armées. Il parle à mes armées. Hier soir, je vais vous témoigner. Pourquoi je dis ça? C'est que pour que vous sachiez que notre Dieu, il n'est pas loin. Il est vraiment proche de nous. Enis, descend. Le Seigneur est proche de nous. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Comme nous pensons, si nous allons prier, parce qu'il m'a dit, moi avec toi, c'est TikTok. C'est comme un test. Là, tu me testes, je réponds. Mais tu agites. Donc, ce qu'il a fait avec moi, je priais, il ne répond pas. Je forçais, je combattais, il a dit, tu vois ta chambre là, les sorciers sont remplis maintenant, il m'a empêché, je combattais, il me quittait, il remplissait. Maintenant, tu vois, tu
c'est moi le Seigneur, c'est moi qui combat. Mm. C'est pas ta force, ce n'est pas ta justice, ce n'est pas comment tu pries et tout ça, chose-là, ce n'est pas. Mais reconnaître-moi en tant que Seigneur et que c'est moi qui a versé mon sang pour toi. Mm. Et j'ai accompli tout. Donc, soumets-toi à moi, premièrement, mm. et refiche-toi dans ma force mm. pour que moi, je combatte pour toi. Mm. Et là, j'ai dit, Seigneur, oh, c'est ça. Ok, je ne vais pas trop prier. J'ai dit, Seigneur, seulement. J'ai dit, papa, ok, maintenant, moi, je suis fatiguée, là. Donc, fatiguée de combattre les combats spirituels. Alors que tu as compris, je veux seulement réfugier oui. en toi, là, avec le combat. Et j'ai vu la main du Seigneur terrible. Mm. Il a fait quelque chose de terrible hier même. Ma fille, elle a beaucoup de cheveux, ma première fille. Mm. Ma fille a commencé à perdre ses cheveux comme je ne sais pas quoi. J'ai commencé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a parlé à ma fille à l'école. Mm. Elle était à l'école. Et le Seigneur disait, il y a un dessin animé, là, qu'on dit Rapunzel. Et même mes enfants, quand je me suis convertie, j'ai arrêté. On ne voit plus, ils ne voient plus les choses monter. C'est, j'ai barré tout. Mm. Ça fait des années que cela. Mm. Et il a dit que d'un seul coup, le Seigneur parlait de Rapunzel. Mmh. Le parlait de Rapunzel, que ce qui se passe avec ses cheveux, la personne qui m'attaquait, que je ne vais pas encore délivrer le nom, mais et je vais attendre quand le Seigneur va me libérer, je vais faire un grand témoignage. Mmh. Le monde doit savoir que nous devons faire attention. Mmh. Le Seigneur disait à ma fille est venue à ce moment. Je ne savais pas, mais il y a une voix qui parlait à l'intérieur de moi, qui me disait, il m'a donné un exemple, il disait que Rapunzel avait un long cheveu et il y avait un sorcier. La sorcière prenait les cheveux de Rapunzel. Là, elle devenait jeune. Et le Seigneur m'a dit que c'est ce qui m'arrivait. J'ai dit vraiment. Et j'ai dit, ah, le Seigneur t'a dit ça, est-ce que tu as dit comment je vais prier? Elle a dit non, je ne sais pas. J'ai dit, il faut dire. Elle a fait comme ça, elle a dit, mais je n'attends rien. J'ai dit, ok, je vais. Et puis j'ai dit, toutes ces choses-là, on coupe tous ces liens-là. J'ai seulement lancé. Mm. J'ai seulement lancé quelques pages, prié un petit short prière. Et je les amenais au lit. Et voilà, c'est elle doit être dans sa chambre, elle est sur mon lit. Tellement concentrée. Et j'ai vu qu'elle priait. Mm. Et. Je lui ai laissé quand elle a fini. J'ai dit, tu pries? Elle a dit, oui, maman. Elle ne m'a rien dit. Elle est passée au lit. Moi, je suis dormie. Mm. Vous savez ce que j'ai vu? Non, dis-nous. J'ai vu mon enfant qui chiait. Mm. Beaucoup. Elle chiait. Mm. Les choses qui sortaient. Elle a chié beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je me suis réveillée. Le Seigneur m'a dit, c'est la délivrance de ton enfant. Mm. On faisait... Alléluia. Elle a mis des choses, elle a mis des choses. Elle voulait que mon enfant devienne un homosexuel. Elle a fait le Seigneur. Un balai, je loue le Seigneur. Amen. Amen. Jésus est un combattant. Amen. Il n'y a pas de Dieu. On a seul un Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne divisons pas le Seigneur. Allez, il est un. Notre Père, il écoute. Amen. Il écoute mes enfants. Mm. Il écoute. Je ne sais pas, je vais vous témoigner parce que j'ai dit que quand elle va retourner de l'école, je vais dire, mais quelle prière est-ce que tu as fait? Il faut m'enseigner. Je suis pas concentrée. Mais je ne sais pas, mais elle a eu sa grâce. Le Seigneur m'a dit tout était sorti. Mm. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des choses qu'on le faisait manger. Mm-hmm. La personne qui faisait, qui nous attaquait au fait, qui faisait, qui veut que mon enfant devienne un homosexuel. Mm-hmm. Et elle qui faisait ses cheveux, qui Seigneur a tout rétabli, parce qu'après je l'ai vu, mm-hmm. elle prend de la baffe et se laver. Mm-hmm. Donc le Seigneur est bon. Amen. Il est proche de nous. Amen. Donc c'est ça quoi, c'est ça. J'attends beaucoup, mais c'est ça. Je vais laisser Frère Junior nous exhorter ce matin. Tu vas nous donner un peu chaque vendredi pour qu'on puisse entendre les merveilles du Seigneur.
Tu vas nous donner les témoignages chaque vendredi, pour qu'on puisse prendre les merveilles du Seigneur. Of course, je vais donner ça afin que vous soyez fortifiés, que vous connaissez au fait la grandeur de notre Seigneur. Amen. Amen. Mais je reprends dans beaucoup de tes témoignages que, enfin, Janet parlait dans les enseignements que les États-Unis que vous voyez là vont avoir besoin d'aide humanitaire. La sœur Vanessa, toi qui scrutes les enseignements, qu'est-ce que Janet dit encore là? Si les États-Unis deviennent quitter l'Amérique, on reste seul. Mais quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites? Ça nous fortifie davantage. À nous nettoyer et à rester devant le Seigneur. Et à vivre, marcher selon ses voies. Les gens qui sont dans la zone de New York, la Californie, ils vont confirmer la confirmation. Attendez seulement. Donc la sœur Elena de la visite, bonjour à la sœur qui est venue avec toi. Et je crois que sa vidéo est en pause là, je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec sa connexion. Ou bien chez lui, il est là. Voilà, on peut commencer à travailler. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et donc il va nettoyer l'Afrique. L'Afrique va briller au point où les Blancs viendront en Afrique chercher du travail. J'en ai déjà parlé. J'ai dit, on va craindre Dieu en Afrique. Et on va craindre Dieu. Il peut parler comme ça, les gens regardent et disent, quelle Afrique. Les Blancs viennent chercher du travail ici. Mais ils viendront. Ils viendront chercher du travail ici en Afrique. Ça, c'est. Quand je viens, il n'y a pas ta photo. Il n'y a pas ton picture. Ma vidéo a d'autres comme. La seule version. Moi, je vois ton photo. La sœur Vanessa, tu me vois toi, n'est-ce pas? Je te vois bien. La sœur Sandra, toi, tu me vois. Oh, oui. Je te vois bien, frère. Ah ben, c'est que c'est la sœur Béatrice. Ok, allons-y. Ok, c'est la sœur Béatrice qui a le... Non, je ne vois pas. Tu me vois. Ok, c'est toi. La sœur Elena, on ne te voit pas avec le bataillon chez toi. On ne te voit plus, tu es posé là. On va commencer. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur bénisse l'Amérique. C'est un pays où il a donné beaucoup de réveils. Maintenant, le réveil, c'est tout du côté de l'Afrique. Ça va bader, ça va bader. Donc, soyons seulement forts. Le moment va arriver où les gens vont dire, « Oh, courons en Afrique, courons en Afrique. On craint Dieu là-bas, courons en Afrique. » Mais de toute façon, souvenez-vous que dans toutes les nations, quand les gens craignent Dieu de la bonne façon, le Seigneur a les regards sur eux. Même si vous êtes n'importe où. Who's disturbing my sister Sandra there? Même si la personne se trouve en Afghanistan, au Pakistan ou bien en Arabie Saoudite, il craint Dieu de la bonne façon. Qu'il est seul là-bas, il croit qu'il est seul, il n'est pas seul. Comme le cas de Corneille. Corneille était seul, il craignait Dieu, mais Dieu a envoyé un ange chez lui pour qu'il puisse entrer dans la rédemption, dans la voie du salut. Donc, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, craignez seulement le Seigneur de la bonne façon. Mais Dieu est en train de préparer son peuple en Amérique parce que. C'est pour ça que Dieu donne beaucoup de visions là-bas, parce qu'il y a beaucoup de visitations d'anges en Amérique. Beaucoup de visitations d'anges en Amérique, parce que c'est une très grande nation que Dieu a utilisée et qu'il ne peut pas juste frapper l'Amérique comme ça sans donner des avertissements. Les autres continents et autres là-bas, l'Afrique particulièrement, essayent tant bien que mal de connaître le Seigneur par ces différentes voies qu'il a tracées. Mais l'Amérique a connu la visitation du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des anges là-bas. Les anges parcourent là-bas particulièrement. Vous savez, il y a un grand chef d'anges là-bas avec des anges qui parcourent les États-Unis. Il donne des songes comme ça pour attirer les gens à lui. Les gens qui craignent le Seigneur. Vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Plusieurs milliers de personnes, sinon des millions de personnes en Amérique ont des songes que Dieu leur donne. Beaucoup ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Mais le Seigneur est vivant. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller pour ses enfants. Ça va aller pour ses enfants. Pour ses enfants. Voilà. Amen. Donc, je crois que la sœur Elena va partir parce qu'elle a l'école, elle a la réunion dans les écoles des enfants. Bon, on va continuer à travailler. Vous voulez qu'on travaille, n'est-ce pas? Oui, frère. On va commencer, on va commencer juste la première partie. On va développer la prochaine fois. Vu qu'il veut partir à la radio dans quelques. Dans quelques minutes. Donc, on va seulement introduire. Prenez donc les notes d'abord. Prenez les notes. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Are you getting me? Yes. 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 Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Acte chapitre 9. Et chapitre 10. Je vais vous donner les versets bientôt. Le chapitre 10.
Non, le dernier, c'est quoi? Actes chapitre 9 et chapitre 10. Ok. Titre chapitre 3. Frère, s'il te plaît, il faut recommencer pour moi. Oui, oui, oui. John chapitre 16. John chapitre 16. Luke chapitre 3. Luke chapitre 3. Acts of the Apostles. Acts, ok. Chapitre 9 and 10. I have 10, ok. Then Titus chapitre 3. Titus chapitre 3. Okay, let us start from the book of Luke chapter 3. Oh, you got to come here again. Okay, you want to see here? Okay. Okay. Verses 1 to 8. Quelqu'un peut lire là. Hey, please, turn that thing off, please. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux de l'Amérique et vous tous qui nous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Verset 1 à 8. Quelqu'un lit alors. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconitide, Lysania sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de revoir le pardon de leur de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt des fruits, des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de vous répéter en vous-même, nous sommes des descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Voilà, donc le sujet est bien positionné maintenant, non? Sister Sandra, you are working, are you doing a job? Et il y a encore aussi, dans ce sont ces enfants-là, tous qui bothering me là. I'm going to sit down. Yeah, just sit down a while and take your Bible, because this one is serious now. Ok, maintenant c'est bon. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas te déranger maintenant. Donc, la Bible déclare que Jean-Baptiste a dit que toute chèvre verra le salut de Dieu. Et puis, il a vu les gens qui venaient vers lui. Il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Notez également Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et on va y revenir là maintenant. Et tous les autres passages de vous donner. Mais on va lire 3 ou 4 passages seulement. Et on va s'interroger par rapport à cela. Notez aussi Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Dès qu'on quitte ici, on va y aller. Jean chapitre 15, verset 13 à 16. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est quel fruit portons pour le Seigneur? Vous voyez? Notez Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Okay. Notez Galates au chapitre 6. Dès que le moment venu, je vais déposer, justement expliquer ce qui se passe là-bas. Puisqu'on va développer ça dans la suite, d'accord? Dans la suite de nos rencontres. Galates, chapitre 6. Okay.
Les enfants, Baba, chez qui là? Chez Sanda. Sanda, coupe ton micro dans ce cas. Coupe ton micro pour que ça ne dérange pas. Hey, Lily, be quiet, ok? Ok. Galates. Galates, chapitre 6. Notez les versets 7 à 10. Là-bas de Galates, chapitre 6. Galates 6, verset 7 à 10. Voilà, je crois que la connexion est bonne là, n'est-ce pas? Donc nous allons travailler donc effectivement de ces fruits-là. Quels fruits produisons-nous pour le Seigneur? Vous voyez? Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que lorsque le tribunal s'assied, il y a la récompense. On va dire, entre dans la joie de ton maître car tu as été fidèle pour peu de choses. Je te confierai ceci. Donc Dieu a donné des talents à ses enfants à lui, lorsqu'il les a envoyés, pour qu'ils partent reproduire. Vous vous souvenez des paraboles des talents, n'est-ce pas? Oui. Que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui, avant de quitter la scène, a donné à l'un 10 talents, à un autre 5, à un autre 2, à un autre 1. Il dit pour les faire valoir. Il dit que longtemps après qu'il revient, il a demandé de faire rendre des comptes. Celui qui a reçu 10 talents est venu pour dire, maître, tu m'as donné 10 talents, j'en ai produit encore 10. Il dit que, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il a continué comme ça. Sister Sandra, please close your phone. Those guys are doing okay. A lot of noise. You better close your phone. I know. Okay. You cannot control the language. Alors maintenant, la Bible déclare que Dieu va, le Seigneur va faire des rendre de compte jusqu'au dernier, il va revenir. Il va demander, donc où sont les talents? Il a dit que, maître, je savais que tu étais un homme qui était méchant, qui est sévère et qui moissonne, que tu vends là où tu n'as pas moissonné. Il va leur dire, pourquoi n'avais-tu pas, toi, méchant serviteur, j'étais juste selon ta parole. Pourquoi n'as-tu pas remis mes talents dans la banque, au banquier, et que ça va produire des intérêts? Il a dit qu'on prend ces talents, et on donne à celui qui avait les 10 autres talents déjà, qui a produit les 10 autres talents. Puis il a dit, au serviteur, de prendre ces méchants serviteurs et le jeter au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc forcément, comme l'apôtre Paul le dit dans le 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, à partir du verset 1, il dit que du moins ce qu'on demande à chaque serviteur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On doit être fidèle. Maintenant, pour qu'on soit fidèle dans nos actions, il faut falloir qu'on détermine clairement ce à quoi nous avons été appelés à faire. Donc chaque chrétien c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus, doit s'atteler à savoir ce qu'il a à faire. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous dites, j'attends l'enlèvement. Quand le Seigneur va t'enlever maintenant, si t'enlèves véritablement, tu vas au Seigneur. Il te pose la question, qu'as-tu fait sur la terre? Tu vas lui dire quoi? Il faut que cette question-là soit répondue. Si je demande franchement, ok, tu as fait 60 ans sur la terre, qu'as-tu fait des 60 ans là pour moi? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez là, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis, ok, je me suis éloigné du péché, ouf, je me suis allé le péché. Ça, c'est la crainte du Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous invite à être saints. Soyez sain dans toute votre conduite. Oui, on craint le Seigneur, on vit hors du péché. Ça, c'est pour toi. C'est pour ta propre vie spirituelle. Mais maintenant, pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Parce que la Bible déclare qu'il y a des œuvres dignes de la repentance. Quand on se repent, il y a des œuvres qui accompagnent la repentance. Les œuvres, le travail, ce que nous faisons comme actes. Il y a les actes qui produisent que nous sommes repentis. Notez Jacques chapitre 2. On va y aller. Jacques chapitre 2. The Book of James. Voilà. Notez aussi 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 22. 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 22. Voilà. Et Jacques c'est chapitre 2 quoi. Jacques chapitre 2, il s'est dit chapitre 2. On va citer ce qui okay. Voilà. Maintenant allons-y dans le livre de Jean maintenant chapitre 15. Jean chapitre 15, voyons quelque chose. Donc nous voyons effectivement que Jean-Baptiste a mis les bases ici. Que n'essayez pas de dire que non, je suis chrétien. Non, parce que de cette pierre, si Dieu peut susciter encore des enfants de Dieu. Oh non, nous sommes juifs, c'est terminé. Non, il faut les œuvres. Si vous êtes des enfants d'Abraham, il faut produire les œuvres d'Abraham. Il faut prouver. Amen. Jean chapitre 15. Maintenant, regardez, suivez très attentivement. The Book of John chapter 15. Chapitre 15. J'ai dit tout à l'heure, verset 13 à 16. Maintenant, prenons les trois premiers versets d'abord. Écoutez très attentivement. Ou bien les quatre premiers versets. Regardez. Vous y êtes? Oui. Ok. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Écoutez bien le verset 2. Et s'il y a quelque chose à retenir, retenez ceci. Tout sa main qui est en moi
et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sament qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus, encore plus de fruits. Vous voyez cela? Jésus dit qu'il est, il est le vrai cèpe. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre. Il y a des styles d'arbres. Enfin, il dit tout sament. Parce que les saments sont greffés sur le cèpe. Et normalement, ça doit produire puisque ça, la vie de l'arbre traverse au travers du sament. Et on attend à ce que le sament produise, donc les branches là produisent les fruits. Et maintenant, si tu es greffé donc sur l'arbre, tu es là, tu es étendu, tu ne portes pas le fruit, à quoi tu sais? Vous voyez? Il dit que si tu produis des fruits, le vigneron va encore l'immonder. On taille d'abord la chose, taille tout autour pour que ça ait plus de luminosité, plus de lumière, plus de vie pour pouvoir produire davantage de fruits. Alors la question c'est, quand je suis chrétien, quel est mon fruit? En dehors de la confession que je suis chrétien, quel est mon fruit que je produis pour le Seigneur? Parce qu'ici au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi, tout sarment. Sachez que le sarment qu'on a parlé, c'est nous qui nous disons chrétiens. Si nous disons que nous sommes en Christ, ici là, je dis clairement que si nous disons que nous sommes en Christ et que si nous n'avons pas de fruits, il va couper. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à chercher les fruits pour le Seigneur. Quel est le fruit pour le Seigneur? Vous ne pouvez pas porter ces fruits pour le Seigneur sans savoir ce à quoi vous êtes appelé à faire. Parce que les fruits sont intimement liés à votre appel. Les fruits à produire sont intimement liés à votre appel. Il y a des fruits d'ordre général, c'est-à-dire que la mise en pratique des œuvres de chrétiens que nous devons faire nous tous, mais il y a la spécialisation dans notre appel. Vous entendez? C'est-à-dire que la tâche spécifique que le Seigneur nous a appelé à faire, là, il nous attend là-bas. Quand cette tâche-là, il nous a demandé de faire quelque chose de spécifique, il s'attend à ce que nous soyons fidèles à cette chose-là. Comme dans cette parabole que j'ai citée dans le livre de Matthieu, de Luc, là, où il a dit, il a donné 5 talents à un autre, 4 à un autre, 1 à un autre. Là, il a donné un ordre clair que ceci devait faire valoir. Donc, il devait utiliser cela pour multiplier. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas reçu les talents, ou bien qui n'a pas eu la clarté de ce qu'il doit faire, doit rester devant le Seigneur. Seigneur, quelle est mon utilité dans ton corps? Qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'à ce qu'il reçoive la lumière par rapport à ce qu'il a à faire. Et puis, il s'attend à faire cela. C'est cette chose-là que tu vas faire pour le Seigneur sur la terre qui marque ton passage sur la terre de façon éternelle. Vous entendez cela? Verset 13 et suivant. Verset 13 maintenant. Continuons d'abord cette lecture ici jusqu'au verset 5. Regardez bien. Regardez. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sament ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur Jésus qui vient de nous donner le secret même ici. Donc le grand secret pour porter d'abord le fruit dans le Seigneur Jésus, c'est qu'il demeure en toi. Parce que c'est lui, c'est Christ en nous pour faire ses œuvres dans le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit demeurant en nous, nous ne pouvons absolument rien faire. Vous voyez, il dit encore, verset 5, « Je suis le Saint, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » Donc en clair, plus on a le communion, plus on reste devant le Seigneur dans la communion, plus il nous révèle ses secrets. Parce que quand il révèle ses secrets, ce sont des poids éternels que tu en as de porter comme ça et par conséquent, les prix éternels. Les poids éternels mis sur ton épaule par le Seigneur, la récompense et les prix éternels. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc vous voyez que sans communion avec l'esprit, vous ne pouvez absolument rien demander à Dieu et Dieu le fait. Et par conséquent, vous ne pouvez pas le glorifier avec quoi que ce soit comme acte.
Puis il dit au verset 7, verset 8 maintenant, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc en clair, il n'y a pas de disciples du Seigneur Jésus-Christ sans fruits. Autrement dit, si le Seigneur venait aujourd'hui en disant, mes soeurs, mes filles de l'Amérique, quels fruits portez-vous pour mon nom? Vous devrez lui donner des réponses. Parce qu'il a dit ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Comment est-ce qu'on glorifie le Père en portant beaucoup de fruits? Il dit, et que vous serez mes disciples. Vous entendez cela? Donc, c'est la preuve de l'authenticité du disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il porte les fruits pour sa gloire, parce que Christ nous a sauvés pour qu'on fasse quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que j'ai donné, que vous notez là, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a des bonnes œuvres. Ces œuvres-là sont des fruits manifestés. Vous voyez cela? Voilà. Alors, verset 13 maintenant jusqu'au verset 16. Regardez. Qui va lire là maintenant? Ma soeur la lit. Ne mets pas le bic sur ta tête comme ça. Elle est dépassée par l'événement. Je crois que son image a freeze. Je crois que c'est chez Hélène, là, son internet doit avoir cette image. La connexion dérange. Donc, c'est comme au Cameroun, alors, en Godiba Coco. Alors, la soeur Béatrice, quand elle peut. Moi, je ne vois. Non, c'est parce, okay. C'est parce que c'est tellement tu es sur le téléphone. Peut-être c'est pour ça que ça dérange chez toi. Parce que Vanessa, tu me vois, n'est-ce pas? Oui. La soeur Sandra, are you seeing me? Yeah, ok. Donc. I'm not seeing other one. You better have a laptop for this purpose. Oh, okay. Okay. Now, can you please read from the verse 13? You want me to read? Yeah, verse 13 to 16, or 17 there, down to 17. Okay. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Continue till 17. Okay. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas par vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, je crois que c'est un peu plus clair. Jésus dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous appelle. Et quand il nous appelle, il dit qu'il nous établit et qu'il nous choisit, il nous envoie afin qu'on porte des fruits. Le but pour lequel il nous a envoyé ici sur la terre, c'est qu'on porte des fruits. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est que depuis que je suis chrétien, quel est le fruit que je porte? Donc chacun de nous doit rester devant le Seigneur pour savoir, Seigneur, quelle est ma responsabilité? Dans chacune des villes, chaque état où vous êtes en Amérique là, il y a des choses que vous avez à faire pour le Seigneur. Vous devez prier devant le Seigneur dans cette communion. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que je demeure en vous, si vous portez des fruits, vous porterez des fruits. Vous voyez? Donc demandez au Seigneur de vous montrer ce à quoi vous êtes appelé à faire. Vous devez demander cela. Amen. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, où vous voulez lire? La soeur chez Elena, bonjour. Comment ça? Oui. Bonjour. Ça va? Ça va, Pat. Voilà. Oui. Tu peux ouvrir Jacques, chapitre 2, tu lis le verset à partir du verset 1. Ça va, Pat. C'est la grippe, c'est l'angine. Ce qu'elle n'aime pas nous contaminer ici à distance. Ah non, c'est qu'elle ne rit pas. Je crois que elle a de limiter le discours. Elle a de limiter le discours du président Paul Biya. La sœur Vanessa Lille, c'est je disais que ça va
est parti. La sœur Vanessa lit alors Jacques chapitre 2 à partir de courage, la sœur Anza. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessus de mon marche-pied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi des pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant le tribunal? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Et si vous êtes exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la foi, par la loi, comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi ne pêche un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Stoppons là-bas. La foi. Vous avez suivi la question que vous avez posée là? Mm-hmm. Bon, non. Quand ceux qui sont chrétiens, c'est pour se dire que je suis chrétien. Souvenez-vous de ce qu'on a commencé à lire des Jean-Baptiste. Il dit, n'essayez pas de dire dans votre tête que nous avons Abraham pour père. C'est-à-dire que nous, parce que Abraham pour père, ça veut dire que vous êtes fils d'Abraham, donc fils de la foi. Autrement dit, les gens, les ouvriers de la foi. Et par conséquent, ça doit s'accompagner par les œuvres d'Abraham. Abraham crut en Dieu, c'est pour ça qu'il est allé donner son fils, en sachant que même s'il donne le fils là, Dieu peut le ressusciter des morts. Donc, le Seigneur Jésus pouvait nous faire de la foi. La sœur Chevalier, ça y est, quoi qu'il faut couper le micro parce que les enfants là, ils ont la sœur Sandra a transporté ça chez toi. Ça a contaminé les enfants qui sont là-bas, ils sont en train de bavarder aussi là-bas. Donc, l'apôtre Jacques pose la question ici, il dit, mes frères, que sert-il à un homme qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, tu ne peux pas prouver, vous voyez que, on ne peut pas prouver que je suis chrétien. On ne dit pas que je suis chrétien parce qu'on porte la Bible, parce que tout le monde qui porte la Bible n'est pas chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il pose une question ici. Est-ce que c'est normal que tu dis que tu es chrétien et la vie des chrétiens ne suit pas? Il y a l'adoration personnelle, il y a l'acte de l'adoration collective. Il y a des preuves, ce que tu vas faire par rapport à Dieu pour toi, et il y a la chose collective. Dieu s'attend à ce que nous soyons des sels. Le sel ne se consomme pas. On met dans le sel et les autres gouttes. Il dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière ne brille pas pour elle-même, elle brille pour les autres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La Bible dit que dans ce livre de Matthieu, chapitre 5, là, verset 13 à 17, il dit que votre lumière luise parmi les hommes. Que votre lumière luise, que ça brille. Let your light shine. Ça doit briller parmi les hommes. Et qui voient vos bonnes œuvres. Et qui glorifie le Père lorsque le jour il les visitera. Les actes que nous posons ont des conséquences dans l'éternité. Des conséquences dans l'éternité. Parce que on peut faire blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ comme ça, par un acte qu'on a posé. On dit, vous dites que si c'est un chrétien, et on dit que si c'est comme ça, être chrétien, je ne vais pas être là-bas. Et c'est comme ça qu'on prend le nom des chrétiens, on commence à blasphémer partout. Vous voyez cela? On commence à parler de Jésus à gauche, que je connais quelqu'un de chrétien qui disait comme ça. Jésus avait dit qu'il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, mais malheur par qui le scandale arrive. Donc il faut vérifier que le scandale n'arrive pas par nous. Ça veut dire que nous ne portons pas le nom du Seigneur en vain et qu'on pose un acte qui est préjudiciable au nom du Seigneur Jésus. Parce que chaque acte que nous posons a des conséquences, soit négatives, soit positives, sur l'éternité. Et donc si nous sommes la lumière du monde, nous devons briller au milieu des hommes. Maintenant, c'est comment briller au milieu des hommes? Il dit ici que si tu dis que tu as la foi, tu es chrétien donc, parce que la foi c'est que les chrétiens. Si tu dis que tu es le chrétien, prouve que tu es chrétien. Donc on doit prouver qu'on est chrétien.
par nos actes d'abord. Parce qu'on dit, oh que non, non, la foi c'est dans le cœur. Mais ici, la Bible dit que si on a une vraie foi dans le cœur, ça va s'extérioriser. Vous voyez cela? La vraie foi vivant dans le cœur s'extériorise. Par exemple, comme le Seigneur Jésus a dit dans, Jean chapitre 16, là, verset 13, il dit que voici un commandement, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, comment tu vas dire que tu aimes quelqu'un et que tu ne peux pas lui faire du bien? Tu ne peux pas, dire que, je ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime en disant seulement de mes lèvres. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, que vous avez noté là, il dit, mes petits enfants, c'est-à-dire qu'on n'aime pas seulement avec parole, mais avec action et vérité. Parce qu'on doit prouver notre marche, notre amour en action. Donc je pose encore la question à l'Amérique, à nous tous de l'Amérique et tous les autres qui nous écoutent dans le monde entier là, quel est le fruit que nous pouvons montrer devant le Seigneur le séjour là, si le Seigneur nous appelle, s'il arrive à arrêter le système maintenant? Quel est le fruit? Comment nous présenter que Seigneur, voici le fruit de notre parcours sur la terre. Est-ce que nous avons le fruit? Il faut qu'on produise donc des fruits pour le Seigneur. Des fruits. On doit produire des fruits. Continue la lecture, ma soeur. La foi peut-elle sauver? Peut-être sauver. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Stoppons là-bas. Il en est. Vous voyez que ici, on passe de la confession de la foi à l'œuvre pratique. Ici, on a quelqu'un que il est dans le besoin. Et les paroles que cette personne-ci dit n'est pas des paroles mauvaises. Il dit que Dieu te bénisse. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Réchauffe-toi. Mais c'est une bonne confession quand même. N'est-ce pas ma soeur Vanessa? Mais il dit que si tu ne passes pas à là en lui donnant ce qu'il va se réchauffer, il va se réchauffer avec quoi? Ouais, c'est quoi? Maintenant, si tu prends le pain, et tu lui donnes, oh ma soeur, comme il fait froid là, prends ça, couvre-toi, j'ai remarqué que ça pas le truc. Là, tu dis comme ça là, ta parole et ta confession de la foi, l'acte que tu en as fait montre clairement que tu en as confessé que réchauffe-toi. On voit effectivement que la croyance, la foi que nous avons maintenant est accompagnée par l'œuvre de la foi. Ah, les œuvres, allez. Finissons, lisons encore, continuons. Il dit, de même, relis encore ces bouts de phrases. Que c'est si quelqu'un. Si un frère et une soeur. On recommence où? Si un frère et une soeur manquent de la nourriture, oui. Ah, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, oui. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, oui. À quoi cela sert-il? Oui. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Voilà. Donc la foi se montre par les œuvres. Les œuvres. La foi se montre par les œuvres. On ne dit pas que j'ai la foi c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur, comme les religieux disent là. Non, la foi c'est dans le cœur. Oui, ça prend source dans le cœur, mais ça se manifeste à l'extérieur. Parce que le Seigneur Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a dit que l'adultère et autres là-bas aussi, ça réside dans le cœur. Donc si ta foi à l'intérieur, c'est lutte avec l'adultère et autres là-bas, les mauvaises pensées, les meurtres et autres là-bas dans le cœur, c'est que c'est grave, il faut la délivrance. Donc, la foi, la bonne foi et la foi droite, quand c'est dans le cœur, ça va se manifester par les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Faisons un détour directement à Tite, là, chapitre 3, lisons le verset 8 et 9. La foi. Tite, chapitre 3, Titus, chapitre 3, verset 6, 8 et 9. Je vous ai donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Tite, chapitre 3, la sœur Sandra, tu peux lire, tu peux trouver, si tu as trouvé. Titus chapter 3, verses 8 to 9. 8 to 9. Ok. Est-ce que j'ai noté ça? Qu'est-ce qu'on a fait de vouloir aller là? Comment ma soeur? Titus chapter 3. Mais tu as noté ça aujourd'hui, non? On a noté. Bon, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Ok. Peut-être que je n'ai pas noté, je n'ai pas noté. Okay. Oui, Titus chapitre 3, verset 8 à 9. Oui. La sœur Sandra, tu dis, lis-nous alors ça. Vas-y. Your microphone is off. Just, yes, click on your microphone, open it. Yes, okay. It is open now, yeah. Okay. Mm-hmm.
Si toi, toi. Attends, chez Elena, il y a le bruit des enfants. Il faut qu'elle coupe le micro. Oui, voilà. Toi, Sandra, allons-y. Si toi, 3, en verset 8 à 9. Oui, après, tu finis de lire, tu coupes encore parce que Elena, elle dérange toujours. Tu finis de lire, tu coupes. Ok. Tite 3, verset 8 à 9. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Mm-hmm. Afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin principalement de s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Oui. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Oui. Mais évite les discussions folles. Les généalogies, les querelles et les disputes de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Voilà. Donc je coupe. Oui, coupe. Amen. La sœur Vanessa, pendant qu'elle dit, tu nous relis les mêmes deux passages là. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Oui. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Stoppons d'abord là-bas. Mais, donc, il dit, l'apôtre Paul dit qu'on dise quoi aux chrétiens? D'appliquer. Ça, c'est à ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Qu'on leur dise quoi concrètement? À ceux qui ont cru, d'appliquer, de pratiquer, est-ce qu'il s'applique à pratiquer les bonnes œuvres? Donc, il s'applique, remarquez très attentivement le mot qui est utilisé, que ceux qui ont cru que leur rôle c'est de passer le temps à pratiquer les bonnes œuvres. Et on dit que voilà ce qui est bon et utile. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais qu'on évite les discussions folles, les généalogies. Je connais, tu connais le père de Jésus, tu ne connais même pas son nom. Il habitait en Samarie. Ils sont allés là-bas, tu connais que Jésus avait dit quel âge qu'elle allait au temple. Qu'on évite toutes ces choses-là. Si tu connais toutes ces choses-là et que celui qui est à côté de toi a besoin de ton aide, tu ne donnes pas. Ça fait quoi? On ne suffit pas. Mm-hmm. Vous voyez cela? Il dit, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru, donc quand on croit, donc tu as la foi maintenant, il dit, s'applique à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est utile aux hommes. Oui, aux hommes. Amen. Voilà. Dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres, verset 20, c'est ce qu'il va encore dire. Il va encore affirmer là-bas qu'il a enseigné partout, en commençant par Damas, il a enseigné la repentance envers Dieu et la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit c'est pour cela qu'il a été enfermé, comme ça, enchaîné par les pharisiens pour entraîner devant les tribunaux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc notre croyance doit être marquée par le fruit. La pratique, par des, la bonnes pratique des bonnes œuvres. Par les œuvres. Voilà. Ainsi donc, nous allons glorifier le Seigneur, comme on a lu dans le livre de Jean, chapitre 15 aujourd'hui, que si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que le Père sera glorifié. Parce que quand vous portez des fruits envers des gens, vous donnez la vie à ceux qui n'en avaient pas. Vous donnez espoir à ceux qui n'avaient pas espoir quelque part. Et dit, oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oui, son nom est glorifié. Les actions de grâce qu'on a en son nom, ça n'a pas de prix. Vous comprenez cela? Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on va continuer plus en profondeur. Donc, entre-temps, donc, d'ici là, priez, demandez au Seigneur, et jusqu'à ce que vous nous donnez les résultats la semaine prochaine, demandez au Seigneur les choses que vous devez pratiquer pour glorifier son Saint nom. D'accord, frère, ma soeur, mes soeurs? Oui, frère. God bless you, God bless you, God bless you. Amen. Amen. Souvenez-vous d'une chose, que s'il arrive qu'on se sépare et que l'enlèvement est lieu, souvenez-vous que je vous ai aimé. C'est la seule, là, la seule. Elle ne comprend même pas. Ferme ton micro, ma soeur, ferme ton micro. Donc, je disais que, souvenez-vous que si on ne se sépare comme ça, il y a l'enlèvement. Mais sister Beatrice, are you getting me? Yeah, right now, but she was talking out. I couldn't hear nobody. Okay. So now it's okay. Ok. Donc, je disais, donc, que si on ne se sépare comme ça, on ne se voit plus jamais. Souvenez-vous que sur la terre, je vous ai aimé et je vous ai dit la vérité. Souvenez-vous toujours de cela. Amen. Ok, I didn't get this one. Si on ne se voit plus. Si on ne se voit plus, c'est que je vous ai aimé sur la terre et je vous ai dit la vérité. Et c'est ça, c'était l'essentiel, ça. Tu as compris ton œuvre, mon frère. D'accord, mes chers soeurs. Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un statement.
Très, très grand. I mean, très lourd. I didn't really get that one. Si on ne se voit que c'est la parole de Frère Junior ou c'est la parole biblique? Ah, c'est une très bonne question. On... Alors. Alors, la musique. Donc, d'ici là, passez une excellente semaine. Jésus, je t'aime. Chantez avec moi, Jésus, je t'aime. On l'entend, oui. Moi, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça se dit en espagnol, Jesús te amo. C'est quand même. Vous n'entendez pas, n'est-ce pas? Alors le titre de la chanson c'est Jésus je t'aime. En espagnol c'est Jesús te amo. Vous n'entendez pas? Là maintenant ça vient un peu. Vous m'entendez? Ça vient de revenir. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Ça va, ça m'entend maintenant un peu. Ouais. C'est moi, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Bon, alors maintenant, il y a la chanson Jésus, je t'aime. D'accord? Ça, c'est encore écoutez. Vous y êtes? Jésus, te amo. Voilà. Jésus, te amo. Te amo. Te amo. Ou bien te quiero, si vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous sur Bamba. Amen. Ouais. Je quiero siempre estar a tu lado, Señor. Fortaleza. Eres tu Señor. Yo te canto de todo mi corazón. No soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús, te amo. Jesús, te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. A ti, Cuti, Señor. Fortaleza. Fortaleza. Eres tu Señor. Tu Señor. Y yo te canto de todo mi corazón. Y yo te chanto de Señor de tu mon cœur. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donne. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, te amo. Jésus, je te loue. Jésus, te alabo. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. A tu lado, Seigneur. Ma forteresse. Fortaleza. C'est toi, Seigneur. Eres tu, Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Yo te canto de todo mi corazón. Jesús, te amo. Jesús, te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. Je te chante.
cœur, yo te cantaré de todo.